just wanna be a spaceman, explore a distant land. Mauvais côté. Salut, c'est Massy. Aujourd'hui, on va parler des fans. Je pense que vous savez qu'est-ce que des fans. Ce sont des gens qui peuvent avoir une certaine dépendance sur une personne ou quelque chose. Je sais pas si vous avez déjà entendu un fan qui veut se marier avec son idole future. Non mais sérieusement, est-ce que ça a vraiment déjà fonctionné? Quand je serai grande, je me marierai avec Justin Bieber. Donc voilà, deuxième fois, il y a des fans qui s'habillent toujours pour ce qu'ils aiment. Non mais à la longue, t'es fatigué d'avoir toujours le même genre de vêtements? Il y a aussi les fans qui veulent trop ressembler à leur idole. Non, mais à la longue, il faut fonder sa propre personnalité, les amis. J'ai appris que John Anderson s'est refait le nez. J'ai donc fait comme lui. Et j'ai aussi appris qu'il a décidé de se faire injecter du Botox. J'ai fait pareil. Non, mais les fans, ça commence à devenir n'importe quoi. C'est rendu à un tel point qu'on donne des noms aux catégories de fans. Par exemple. Donc il y a les Beliebers qui sont fans de Justin Bieber et on a les Directioners qui sont fans de One Direction. Non mais c'est bien d'être fan, mais quand c'est rendu que tu t'évanouis pendant le spectacle de ton idole... En même temps, ça doit être assez malaisant de s'évanouir pendant un spectacle. Moi, je respecte tous les fans, que ce soit pour Justin Bieber ou One Direction. Mais moi, personnellement, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas vraiment fan de quelque chose. Bah, moi, personnellement, je suis fan de planches à roulettes, de ballons, je suis fan de bouteilles d'eau, je suis fan des stylos, et je suis fan du plancher. Il y a aussi les fans qui mettent plein d'affiches dans leur chambre. Moi, j'aimerais pas ça me réveiller le matin et... Non! 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 C'est tout pour ce vlog. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez partager et liker ces deux vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et pour finir, Zachape veut dire ta gueule en serbe. Petite connaissance personnelle. Bye.